Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur, musher cyclonomade en vélo avec ses chiens Minos et Nouchka. Nous sommes actuellement au pied du Mont Saint-Michel. L'objectif de l'année sera d'aller du Mont Saint-Michel à Oslo, à l'aller en passant par les capitales et au retour par la côte. Et voilà, une nouvelle année qui commence et c'est parti pour une nouvelle aventure! Nous sommes partis aujourd'hui de l'Aigle et nous sommes arrivés à Rugle. Allez, c'est parti, je vous fais visiter. Et voilà, aujourd'hui on a fait 10 km, on est parti de l'Aigle, on est à Rugle avec un S. Et on attend le camarade qui va arriver en route et il a cassé son dent, il est à 3 km d'ici. En attendant, on va visiter la ville et je vous montre son image. C'est une nouvelle journée qui commence, mais sous la pluie. Aujourd'hui, on est à Rugle. On va jusqu'à Sainte-Marguerite de Godet. Ça va nous faire 15 km. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée sous la pluie, mes amis. Les équipages sont prêts au départ. Et c'est parti. Ça sera par là. Allez, route tranquille. Et pour ceux qui ont un doute sur notre visibilité sur la route, je pense que le sapin de Noël comme ça, ça suffit. Hein. Les bandes réfléchissantes, 10 km/h, un petit drapeau. Hein, on est visible quand même. Allez. C'est parti, il nous reste 9 km, tranquille la vie, il pleut plus, on entend les oiseaux qui chantent, et les chiens sont motivés, motivés. Yota, viens voir tonton. Courant.
Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Sainte-Marguerite d'Autel. On a fait 15 km et avec l'autorisation de l'adjoint du maire. Et voilà! Et regardez la grande prairie qu'on a pour les chiens. Et tout le terrain, là, c'est pour faire courir les chiens. Il y a déjà le frisbee de Minos. Et voilà. On est posé. La mission du jour est accomplie. C'est une nouvelle journée qui commence. Nous sommes à Sainte-Marguerite de l'Autel, où nous avons dormi, avec la Caradoc Travel. Moi, je vais aller à Louversé, à 16 km d'ici. La Caradoc Travel va aller à Évreux. On se retrouvera là-bas. En attendant, on va aller boire le café à l'épicerie du coin qui nous est offert par l'adjoint au maire. Je vais en même temps profiter pour vous montrer quelques fresques dans ce joli petit village qui représente l'agriculture. Et puis on reprendra la route. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Une petite pause s'impose tous les 5 km, plus ou moins il y a un village, donc on fait une petite pause, on donne à boire aux chiens et on se repose et surtout on visite. On est à Le Fiedler, je vous montre. Ça, c'est la voie verte de Fiedler à Saint-Martin. On va prendre la route. Et voilà, nous sommes arrivés dans la commune de Louversé. Au village précédent, on a eu la chance de croiser la propriétaire de l'écurie de la forge qui nous a proposé de venir donc camper chez elle. Et que je lui ai dit qu'on cherchait un endroit sur Louversé. Et voilà, même pas arrivé à Louversé, on avait déjà trouvé un spot pour se poser ce soir. La mission du jour est accomplie. 15 km, c'est fait. Mode chargement activé. Donc actuellement, il y a 2,5 bars. Et voilà, je l'ai mis face au soleil. Allez, on va tester en situation réelle comment il charge. Mais surtout en mode fixe, parce que j'ai remarqué que à plat sur le toit du vélo, c'est pas encore top. Et encore moins en mouvement. Et petite précision dans le temps. Il est 13h18, c'est parti pour une journée ensoleillée, pas un seul nuage en vue. Et voilà, 4 heures après, donc il est passé de 2,5 bars à 4,5 bars. 2 bars en 4 heures.